Bonjour, je suis élève au CVL, je m'appelle Justine et cette année nous avons lancé un projet, le projet de tutorat entre pairs, c'est-à-dire du soutien d'élève à élève. Il y a des élèves par exemple de terminale ou de première qui peuvent venir aider des élèves de première ou de seconde, ce qui permet à certains élèves en difficulté de mieux comprendre certaines notions. On a eu beaucoup d'élèves qui se sont portés volontaires pour aider et pour être aidés. Le seul problème qu'on a, c'est de devoir les mettre en relation, puisque avoir juste quelques personnes pour mettre en relation des élèves, c'est quand Pas tous même les très emplois peu du du temps. temps. Et certains élèves ne répondent pas quand on leur envoie des messages, puisqu'ils ne sont pas toujours disponibles. Et Alors comment on peut vous aider? Si on imagine une application, qu'est-ce qui peut vous aider? ce serait éventuellement que les élèves déclarent eux-mêmes quand est-ce qu'ils sont disponibles et qu'ils puissent eux-mêmes se trouver des moments de disponibilité où ils pourraient trouver des moments pour faire leur cours. L'application est une plateforme de tutorat interne qui mettra en relation des élèves de seconde, nouveau lycée, de classe supérieure et des professeurs volontaires au sein du lycée. Les élèves pourraient demander de l'aide aux autres élèves de classe supérieure à travers une application sur leur téléphone portable. Les professeurs volontaires pourront également participer à ce système. Le chef d'établissement enregistre dans la base de données l'ensemble des élèves et des professeurs volontaires pour créer un compte personnel sur l'application du tutorat, que ce soit des élèves ou des profs. Les élèves se connecteront à leur compte en fournissant, dès leur première connexion, une preuve d'identité. Avant de pouvoir commencer leurs activités, les élèves devront renseigner leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone pour qu'ils puissent être mis en relation avec l'élève qui sera leur partenaire de travail. Le logiciel s'occupera de croiser l'offre et la demande d'aide en fonction de la matière, puis fera un tri en fonction des emplois du temps pour trouver un horaire libre en commun. Injecter des emplois du temps dans l'application sera difficile. En revanche, à l'inscription, les élèves et leurs tuteurs pourront indiquer les places sur lesquelles ils sont disponibles. Un email est envoyé aux deux élèves pour leur proposer l'échange. Si les deux personnes acceptent le rendez-vous, le logiciel envoie le mail ou le numéro de téléphone de leur partenaire à chacun des deux élèves. Nous avons également pensé à un système de scoring. Tous les utilisateurs démarrent sur le site avec un scoring neutre. Puis, en fonction de leurs actions sur la plateforme, ce scoring peut baisser. Mauvais comportement sur le site, élève non sérieux pendant les séances d'aide ou n'est même pas parvenu au rendez-vous. Au contraire, il pourra également augmenter. Bon retour sur l'élève suite à une séance d'aide. Pour cela, le site permettrait de noter l'élève avec qui nous avons travaillé. Idem pour le tuteur. Les deux premières interfaces nous présentent l'écran de connexion que nous avons imaginé. L'identification se déroulerait alors en trois étapes. La première nous permet de choisir le niveau scolaire de l'utilisateur pour que l'application puisse savoir si l'élève est en seconde, en première, en terminale ou même professeur, dans la bulle 2. Le second sera un écran d'identification banal où l'on demande l'identifiant, ainsi que le mot de passe de l'utilisateur, ce qui se passe dans la bulle 4. Sur ces deux interfaces, nous avons pensé mettre les logos et les noms de l'application dans la bulle 3 et du lycée dans la bulle 1. La troisième interface représente ce que nous avons appelé le tableau de bord, à partir duquel nous pourrons accéder aux espaces de demande et de proposition d'aide, respectivement les bulles 6 et 7. Sur cet écran, on retrouve également les activités récentes dans la bulle 8, le logo et l'adresse, ainsi que le nom du lycée dans la bulle 9. Il y a également un bouton de déconnexion à la bulle 5.